Aujourd'hui, vous avez 31 ans. Vous avez encore la vie devant vous. Vous gérez près de 10 millions de dollars d'actifs. Donc, vous avez près de 10 millions de dollars d'actifs sous gestion. Comment entrevoyez-vous l'avenir à moyen, long terme, notamment par rapport aux activités du groupe ou même par rapport à vous-même personnellement? Alors, sur le moyen terme, déjà sur le court terme, on va prendre sur le court terme, l'idée, c'est de pouvoir servir plus de clients, premièrement, donc aider plus de personnes justement à mettre en place les mêmes stratégies, les mêmes processus que nous, pour pouvoir gagner davantage en visibilité, gagner en part de marché. Sur le moyen terme, l'idée pour nous, c'est de pouvoir faire du... Ça va être c'est un gros challenge, mais je sais qu'on va y arriver. Faire du x10 en termes de chiffre d'affaires. Okay. Doubler l'effectif au Cameroun, enfin, en Afrique francophone de manière générale. Parce qu'à un moment donné, voilà, aujourd'hui, on est un certain nombre, mais on peut pas non plus se démultiplier de par les personnes qu'on va accompagner. Donc, c'est vraiment de pouvoir recruter de nouvelles personnes, mais avant tout, de former ces personnes-là, parce que c'est des nouveaux métiers. Donc, voilà, quand on parle de community manager, quand on parle de media buyer, voilà, c'est des termes ou des métiers que la plupart des personnes en Afrique ne connaissent pas encore. Donc, c'est à nous, de par nos différents médias sociaux, ma chaîne YouTube, de faire découvrir en fait de nouveaux métiers à des jeunes entrepreneurs en devenir, de les former de par les différentes conférences, par les différents ateliers qu'on anime sur internet, pour pouvoir finalement potentiellement les recruter et leur permettre de véhiculer davantage ce message.